silence se brise quand vient la tempête de mots. Doit-on lâcher la bride quand elle émane de nous, transmettant de belles paroles à ceux qui pénètrent le monde, déterminant le rôle qu'ils joueront jusqu'à la tombe. Et même si la tempête passe, elle peut très bien tout dévaster. Derrière des nuages épistolaires, un pistolet peut se cacher. Ils peuvent pleuvoir des halles par des bombardages éjectés. C'est l'objectif des commérages quand les pions jactés. Tu peux te protéger en tenant ferme un bouclier. Pas seulement si la guerre t'a laissé des traces inoubliées. Inspire-toi de la guerre t'a comme guerrière à copier. Ne serait-ce que pour les causes pour lesquelles tu ne peux plier. Quand après son passage l'atmosphère devient stable, déchargée d'émotions les résidus sont véritables. C'est à la lueur du calme que le message est audible. La tempête est souvent l'œuvre de celui qui en a trop dit. La quête du mot juste est tout un art stratégique où tu détermines tes atouts comme des passes décisives. En t'isolant pour ciseler telles des flèches que tu calibres, ces syllabes spécialement cueillies en équilibre. As-tu remarqué la distance qu'imposent les cases de l'échiquier? Elle te protège de l'adversaire mais pas de sa toxicité. As-tu pensé à prévenir le flux d'énergie négative? Toi qui t'exemptes de prudence dans tes attaques réactives. Écouter l'insensé fait partie d'un apprentissage, tout comme l'humilité dans les tribulations du sage. Tu ne peux qualifier de fou, d'aliéné ou de sauvage sans cerner par le discours quiconque choque tes usages. Quand les éléments te blessent, est-ce factuel ou ressenti? Crois-tu vraiment que l'on t'adresse autant de mal sans le motif? C'est à la lueur du calme que le message prend forme. La tempête est souvent l'œuvre de celui qui la transporte. Si la tempête était perçue dans son essence la plus pure, la plupart luciderait l'audace de voir sa vraie nature. Percée au sous-sol de l'âme qui devient son réceptacle, en nourrissant de ses entraves une pression dans les entrailles. Négligence du détail, secrets qui s'alourdissent, syndrome du bétail, culture vaine du non-dit. Si l'inquiétude impose la paix, ça ne sera pas sans sacrifice. Qui es-tu pour qu'une tempête résiste à tes artifices? Fruit de l'inconstance, du complexe qu'on cultive, le manque qu'on compense, le surmoi qui se mutine. Elle est le poids des frustrations qui forme un fécalome de feu. Elle est rage en gestation, la magnifique lame de fond. Et quand le mouvement de l'air lui confère son éloquence et véhicule les blessures de tout un système de défense, c'est à la lueur du calme qu'on conçoit son origine. La tempête est souvent l'œuvre des passions qui la régissent.